Ça, c'est le polo polo. Après, ça, c'est Babam. Oui, le polo polo, c'est le nom en Douala de Baba Mambasa. C'est un produit qu'il a voulu vendre. On va parler du moiré jaune. Oui, le moiré jaune, c'est une plante à laquelle ça travaille des trucs comme ça travaille le paludisme, un élément du paludisme. J'ai choisi de faire la vente des cordes médicinales. C'est d'abord un, c'est d'abord héréditaire chez nous. De deux, et en voyant l'humanité souffrir, j'ai vraiment eu le courage de pouvoir aider l'humanité. Parce que l'humanité, les gens souffrent mais ne peuvent pas se traiter. La médecine moderne est excessivement chère et ne prend pas vraiment soin aux gens quand quelqu'un n'a pas de moyens. C'est pour cela que j'ai eu vraiment cette force de pouvoir aider, d'entrer la vente de médecine pour pouvoir aider l'humanité. Oui, il est possible à tout le monde d'acheter les herbes médicinales. Il est possible. Pourquoi? Parce que d'abord, entre nous, on a d'abord pitié. Ce n'est pas le style que vous allez arriver. Là, on va vous dire de faire un carnet, de 1000 francs de consultation, de donner 5000 pour aller voir le docteur. Quand vous arrivez directement, vous causez avec le vendeur et celui qui est vraiment un peu initié. Vous dites comment vous sentez et vous composez des produits. Oui. Et vous-même, une question, Marie. Une question. Comment est-ce que vous arrivez à trouver les médicaments, les écorces en rapport avec un mal que vous décrit un patient? Oui, on réussit à décrire ces plans. Pourquoi? Parce que vous allez voir, par exemple, une maladie comme la typhoïde. La typhoïde est basée dans les intestins, au ventre. Et quand on commence à la composer, on compose avec des produits qui travaillent, peut-être le paleux. Quel produit, par exemple? Quelle écorce? Tu vois, peut-être il y a les écorces comme de l'ambassa, tu vas voir le ndier, les coups, hein? Le coup, le Yamamoto, ce sont des produits qui sont faits pour ça. Le Kente, quand on fait cette association de ces produits, vous avez un bon résultat pour ce mal. Oui, les plantes sont vraiment avancées alors que nous parlons. Les gens font des recherches dans toutes ces maladies. Les gens font des recherches. Donc, l'hépatite B, les gens les traitent. Pas des écorces. Les gens les traitent. Est-ce que vous voulez traiter avec des écorces? Sur 5, il y a eu affaire 2. Donc, je ne peux pas vite me déclarer que je le fais. Il faut avoir la moyenne. Et sur les deux que vous voulez traiter, comment est-ce que cela s'est passé? Je les composais des produits à base de plantes. Oui, le nom. Je peux pas dire que la médecine est d'abord secrète. Tout à fait, d'accord. La médecine est secrète. Oui, oui. Je les composais des produits à base de plantes et des feuilles qu'ils allaient faire bouillir et buvaient. Et ils ont eu la guérison. Évaluer la prise, toute posologie des plantes que nous donnons, il y a d'âge. Quand un enfant n'a pas déjà 15 ans, il a droit à prendre un verre. Et quand il prend un verre, il doit manger. Ça dépend des plantes. Il y a les produits qui sont faits, il faut manger avant de les boire. D'autres qu'on prend à jeun. Tu vas trouver peut-être, par exemple, si je vais vous faire peut-être un remède qui est le remède de poison de nuit, je vais vous demander de prendre ça à jeun. Hein? Donc, il y a cette période qu'on vous donne de boire un verre, mais il faut manger. Là, c'est des antibiotiques, comme vous avez la typhoïde, il faut manger en buvant. Ou vous buvez, vous coupez au milieu du repas, vous buvez votre remède. Parce que les antibiotiques sont dedans. Et maintenant, pour les personnes adultes, vous avez tout à l'heure que les enfants, on leur prescrit un verre. Non, j'ai dit plus de 15 ans, c'est un verre. Donc, avant, moins là, on leur donne demi-verre. Oui, et maintenant, les personnes adultes. C'est ça que j'ai dit, 15 ans en montant, c'est adulte, c'est un verre, et 15 ans en descendant, c'est demi-verre. Pour tous les personnes, bien pour certaines, bien pour la majorité? Non, il n'y a plus la majorité, c'est demi-verre. C'est un demi-verre pour les enfants.
plusieurs problèmes que nous rencontrons. D'abord, la rareté des produits à l'heure que nous parlons. Parce qu'il y a déforestation et des tailles. Partout, on casse des forêts et les plantes deviennent rares. Et les eaux et forêts aussi nous dérangent. Les eaux et forêts, les contrôles en route nous dérangent vraiment. Et que les problèmes liés aux eaux et forêts, quels sont les autres problèmes que vous avez, que vous rencontrez? Il y a d'autres problèmes, il n'y en a pas assez. Pourquoi? Parce qu'en dehors des eaux et forêts, quand nous allons en brousse, sauf si tu entres dans la forêt, quelqu'un qui enlève les yeux, les plantes qui sont, les arbres fruitiers, oui, qui sont interdits ici, peut-être que tu touches ces arbres-là, c'est vrai que tu vois les problèmes, parce que ces arbres-là travaillent même beaucoup. Beaucoup. Tu vois l'écorce de manguier, oui, sauvage, l'écorce de safetier, oui, le safou, l'écorce de l'avocatier, c'est un truc qui travaille même beaucoup. Mais tu sais, quand un plante son ces trucs, il ne peut pas accepter que vous les détruisez, et ce n'est pas bien. Donc c'est la seule difficulté qu'il faudrait justement que tu t'arranges de ne pas toucher les trucs à autrui. Est-ce que votre activité vous permet de joindre les deux? Oui, ce qui est sûr et vrai, c'est que au Cameroun maintenant, nous jonglons. Au lieu de voler, tu préfères faire ça et toujours en faisant quelque chose, étant content. C'est ça le véritable problème. Quand tu es content, quand même peut-être remercier que oh, donc t'as appelé, merci beaucoup de la tifo que j'avais, vous m'avez soigné, ça, vous ne pouvez pas ignorer. C'est bien, c'est beau.